Le RIMP, le Rassemblement international militaire protestant, est un rassemblement qui a lieu chaque année au mois de juin dans les Cévennes, au lieu du protestantisme, et qui est l'occasion aussi de revenir sur des éléments de la mémoire. Donc c'est un rassemblement qui regroupe des délégations venant de cette année 19 nationalités étrangères, en plus de la France, pour environ 400 à 500 participants. Avec différentes activités autour d'un thème général qui a été fixé pour l'année. Donc le thème qui a été défini aussi en lien avec le centenaire, c'est cette parole de Jésus dans l'Évangile quand il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Alors c'est une thématique autour de laquelle nous allons travailler pour savoir comment s'en saisir et ne pas reproduire indéfiniment les conflits, les guerres, en tout cas une réflexion pour nous amener à participer et contribuer à une paix qui puisse se poser dans la vie des uns et des autres et dans les relations avec les uns et les autres. Donc c'est à la fois un temps convivial, un temps festif, de découverte un petit peu de ce qui se fait dans le cadre des différentes aumôneries, puisque ce sont des délégations à la fois composées d'aumôniers, d'aumôniers en chef, de militaires, de civils, d'amis aussi des aumôneries, et qui viennent participer à ce temps convivial de réflexion autour du thème de l'année, ce thème dont je parlais. Alors, comme chaque année, les temps forts sont essentiellement orientés sur les temps cultuels, puisque c'est là que le thème sera développé. Et chaque culte est préparé par une délégation différente, parfois entre deux pays. Il y a également un temps d'atelier, donc des temps de réflexion en petits groupes sur ce thème défini pour le rassemblement. Et puis, il y a également une sortie, en général sur un lieu de mémoire. Cette année, en 2018, nous serons à Aigues-Mortes pour visiter la Tour de Constance. Nous connaissons tous, je pense, ou en tout cas c'est à découvrir, la vie de Marie Durand, qui est une de ces prisonnières de la Tour de Constance. Dans le cadre de notre centenaire de la Première Guerre, le comité mémoire de l'aumônerie a monté une exposition sur les aumôniers militaires dans la Grande Guerre et qui sera présentée à l'occasion de ce rassemblement dans une des salles de la mairie. Donc tout au long du rassemblement, des informations seront données au jour le jour et au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à découvrir et à suivre de près les différentes activités.